Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité en République démocratique du Congo, les partis politiques doivent atteindre 1% au niveau national pour les prochaines élections législatives, une condition qui contraint les partis politiques au regroupement. À Kigali, au Rwanda, des membres du secteur privé, de la société civile et les décideurs politiques des pays africains se sont rencontrés ce mardi 20 mars en marge du sommet sur le libre-échange. L'objectif, élaborer une stratégie d'implémentation de l'accord de la zone de libre-échange continentale, un accord qui a été signé ce 21 mars 2018 par les chefs d'État africains. Et puis, au Sénégal, le président Macky Sall s'est engagé à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine du numérique. 1 milliard de francs CFA va être dégagé par la délégation générale à l'entrepreneuriat. En République démocratique du Congo, de nouveaux regroupements secrets au sein de la majorité présidentielle en vue des élections législatives du 23 décembre 2018. Les partis politiques se regroupent dans le but d'atteindre le seuil impératif de 1% au niveau national. Mais au sein de la famille politique du chef de l'État, interdit de se représenter par la Constitution, eh bien la question du dauphin reste encore sans réponse. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka, commenté par Corinne Camseux. Être plus représentatif pour relever le défi d'atteindre le seuil d'1% imposé par la nouvelle loi pour les législatives nationales, c'est le défi des formations politiques qui se préparent pour les prochaines élections prévues le 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. En clair, il faut récolter 460 000 voix sur environ 46 millions d'électeurs enregistrés pour être élu député national. Au sein de la majorité présidentielle, les regroupements se créent en vue d'assurer de bons résultats aux législatives. À 4 mois du dépôt des candidatures, la question du dauphin reste encore un mystère. Comme vous le savez, la loi électorale qui a été adoptée par le Parlement et qui a été promulguée prévoit qu'il faut atteindre un seuil au niveau national, au niveau provincial et au niveau local pour prétendre être éligible au partage des sièges à tous les niveaux. Puisque les échéances pointent à l'horizon, nous devons nous organiser pour solliciter le suffrage auprès du peuple qui est le souverain primaire. Au sein de la famille politique du chef de l'État, dont la Constitution interdit de se représenter, on minimise la question du dauphin. Les observateurs estiment cependant que celui qui est appelé à conduire la majorité présidentielle en qualité de candidat à la présidence n'aura pas suffisamment de temps pour se préparer à ce challenge. Je crois que la question du choix du dauphin est une question très complexe aujourd'hui. Elle doit être prise au sérieux parce qu'il ne reste plus que 4 mois pour la présentation des candidatures. Je pense que pour le peuple, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement. Et que ce changement-là, celui qui incarne ce changement, devrait se préparer très sérieusement. Plus de 300 partis politiques composent la majorité présidentielle. En tête, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement qui vient d'être restructuré. Joseph Kabila occupe désormais le poste de président du parti. Celui du vice-président est encore vacant. Selon certaines sources, c'est le vice-président qui sera désigné candidat du parti à la présidentielle. Beaucoup estiment par ailleurs que l'absence d'un consensus sur une candidature commune du côté de l'opposition jouera pleinement en faveur du pouvoir en place. Au Rwanda, les dirigeants africains présents à Kigali pour le sommet extraordinaire de l'Union africaine ont signé l'accord prévoyant l'instauration d'une zone de libre-échange continentale. Cet accord a été signé ce mercredi 21 mars lors de la cérémonie de clôture du sommet extraordinaire de Kigali. Il reste la ratification du projet. Pour entrer en vigueur, ce texte doit être validé par un minimum de 22 pays. Cet accord sur la zone de libre-échange a été l'objet d'un débat au préalable entre les agents du secteur privé du continent, les membres de la société civile, les chercheurs et les décideurs politiques. Cette discussion a eu lieu ce mardi 20 mars 2018 à Kigali, au Rwanda. Reportage à ce propos de notre correspondant Fraterne Dakaysanga. Comment assurer la mise en œuvre effective de l'accord sur la zone de libre-échange continentale? Voilà sur quoi ont débattu les agents du secteur privé du continent, les membres de la société civile, les chercheurs et décideurs politiques ce 20 mars 2018 à Kigali, au Rwanda. Ce forum économique avait comme objectif principal d'élaborer une stratégie pour la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale afin de promouvoir le commerce intra-africain. The stakes are enormous.
for Africa, but also les enjeux sont énormes pour l'Afrique, mais aussi pour l'ensemble de l'économie mondiale à laquelle l'Afrique apportera toujours une part plus grande dans les décennies à venir. La création d'un marché africain implique nécessairement un changement dans notre façon de penser et d'agir. La pleine participation du secteur privé est plus nécessaire que jamais. Le but du forum d'aujourd'hui est de discuter comment tirer le meilleur parti des nouvelles opportunités que nous créons pour nous-mêmes. Il y a un aspect extrêmement important qui a été souligné par le président Paul Kagame, c'est l'aspect campagne de sensibilisation. Parce que l'intégration ne doit pas se faire seulement par le haut, il faut qu'elle se fasse par le bas. Il faut que les peuples africains s'approprient ce projet d'intégration africaine, ce processus d'intégration. Donc il y a une campagne de sensibilisation qu'il va falloir mener dans tous les pays membres de l'Union africaine. Selon le rapport de la Banque mondiale, le commerce intra-africain représentait 11% du commerce total de l'Afrique entre 2007 et 2011, tandis que les chiffres pour l'Asie et l'Europe étaient respectivement de 50% et 70%. Même si les membres du secteur privé africain sont confiants par rapport à ce nouvel accord, beaucoup devra être fait pour leur permettre de contribuer convenablement à l'intégration africaine. We cannot sustain employment creation. On ne peut pas assurer la création d'emplois sur le continent en tant que membre du secteur privé africain sans outils nécessaires pour accomplir cette mission. Il faut que vous puissiez mettre en place les moyens pour nous afin d'agrandir le marché africain pour que, par exemple, on puisse faire circuler les biens et les personnes facilement sur le continent et ce, très rapidement, parce qu'il est encore très difficile de bouger en Afrique. Selon ses promoteurs, l'accord de la libre-échange continentale est un véhicule pour accroître le commerce intra-africain, éradiquer la pauvreté et approfondir l'intégration continentale. Il est également en accord avec les aspirations et la vision de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La Tunisie a célébré ce 20 mars 2018 le 62e anniversaire de l'indépendance. Dans son discours, le chef de l'État, Béji Caïb Essebsi, a évoqué la situation économique du pays, sa présence diplomatique et la nécessité d'une réforme de la loi électorale à l'approche des élections. Ashley Duprat. Le 20 mars 1956, la Tunisie devenait indépendante et c'est à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance que le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, s'est adressé à la nation du palais de Carthage. J'ai remarqué que 79,9% des Tunisiens ont un sentiment de frustration et principalement les jeunes. Les étrangers ont une bonne image de nous, mais ce n'est pas le cas ici, où l'image du pays est négative. Une image notamment affaiblie par la situation économique difficile que traverse le pays du Jasmin. Il faut dire qu'après la révolution de janvier 2011, la situation économique s'est dégradée par rapport à celle qui prévalait sous l'ancien régime. Néanmoins, pour retrouver la confiance des Tunisiens, le président Béji Caïd Essebsi a annoncé la date des élections, bien qu'elles aient été fixées à décembre 2019. Pour que les élections soient menées à bien, la réforme de la loi électorale est une nécessité. C'est peut-être l'un des freins et des blocages les plus importants d'un pays qui, en 2010-11, a choisi de se débarrasser de son dictateur, qui a choisi de changer de constitution, a choisi de donner à la femme la place qu'elle commence à mériter, parce qu'elle mérite plus encore et mieux encore. Mais c'est un pays aussi qui s'est noyé dans les arguties politicardes. Une information reste néanmoins en suspens. Âgé de 91 ans depuis le mois de novembre 2017, l'actuel chef de l'État tunisien, Béji Caïd Essebsi, ne s'est pas encore exprimé sur sa potentielle candidature aux élections de 2019. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall en a fait la promesse. L'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine du numérique sera soutenu financièrement. 1 milliard de francs CFA va être attribué par la délégation générale aux jeunes porteurs de projets dans le numérique. L'objectif est de faire des jeunes les acteurs de l'économie numérique mondiale à l'horizon 2025. Deo Gracias Podo. Au terme de la première édition du Forum du numérique qu'il a initié, le gouvernement sénégalais a annoncé une enveloppe d'1 milliard de francs CFA pour soutenir les jeunes entrepreneurs du secteur.
Le président Macky Sall s'est aussi engagé à instituer un prix pour l'innovation doté de 20 millions de francs CFA pour le lauréat. De quoi réaffirmer son engagement à promouvoir la créativité et l'émergence des start-up dans son pays. À l'horizon 2025, le Sénégal s'est fixé pour objectif de créer environ 35 000 emplois grâce au programme Sénégal numérique. Mon ambition est qu'ils vivent en ce moment-là dans un Sénégal numérisé et digitalisé. Un Sénégal en réseau et ouvert au monde. Un Sénégal encore plus fort, plus puissant et plus riche de ses talents, de ses intelligences et de ses énergies créatrices dans ce secteur du numérique qui est en train de changer la face du monde. Au Sénégal, de nombreux acteurs estiment que beaucoup reste à faire en ce qui concerne l'entrepreneuriat numérique. En ce sens, le pays a élaboré une stratégie adoptée fin 2016 pour booster son économie numérique. Cette stratégie constitue la composante digitale du plan Sénégal émergent et doit permettre la digitalisation de l'économie et aider entre autres les populations à sécuriser leurs épargnes, les inciter à investir dans des activités génératrices de revenus. Le gouvernement dotera les campagnes d'infrastructures modernes permettant de réduire les inégalités et faire en sorte qu'Internet soit une opportunité pour tous, notamment pour les jeunes. D'un coût de 1 361 milliards 300 millions de francs CFA, dont 1 000 milliards attendus du secteur privé, le programme Sénégal numérique veut porter la contribution du numérique à 10% du produit intérieur brut en 2025 contre 7% en 2018 afin d'impulser la croissance économique à travers ce secteur. La stratégie ambitionne, selon la vision de ses initiateurs, une amélioration du climat des affaires et une dématérialisation des activités économiques. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.